Ce résumé vous est proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League. Kimpembe, un petit peu de liberté. Neymar. Neymar, hein, on ne s'est pas compris avec Di Maria. Attention, ça c'est pas mal comme ballon vertical pour Crivelli qui le conserve, qui l'a bien contrôlé. Il attend le soutien qui arrive. Voici Visca qui va frapper et qui, j'allais dire, va marquer. Ça passe tout près du poteau gauche de Keylor Navas. Attention. Parce que vous le voyez, hein, en reconversion, ça peut aller très vite. Excellente initiative d'Edin Visca, le Bosnien. Bonne intervention de Bolingoli qui écarte le danger. Et ce ballon est retombé dans les pieds d'un coéquipier. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a perte de balle là. Edin Maria qui va pouvoir allumer, qui enroule à côté. Ça a été touché apparemment puisque c'est un coup de coin qui va être concédé par l'arbitre Ekberg. Di Maria avec Kurzawa lancé et ce tir croisé. Là voici la première, le premier danger parisien. Trop croisé cette frappe de l'ancien du Real Madrid. Ça passe à côté. Attention, une première possibilité avec Mbappé qui est servi. Et voilà le premier but. Non, incroyable, incroyable. Sarabia, pourtant il en a planté des buts dans sa carrière, notamment avec Séville. Comment rate-t-il cela? Alors il y a peut-être une explication au niveau du terrain. Un petit faux bond au plus mauvais moment. Mais il était idéalement servi. Peut-être un peu gêné par le tacle du défenseur là qui vient se jeter. Mais honnêtement, c'est inadmissible, hein, de louper cela. Ça par contre c'est intéressant avec Di Maria qui file au but, Keane décalé côté droit, petite feinte, le centre maintenant, ben non. Il a voulu chercher Mbappé qui était caché pratiquement derrière le gardien, c'était le mauvais choix pour l'ancien de la Juve. Et ça passe pour Visca qui se rapproche, Visca qui cadre aussi et Navas qui repousse. C'est Mbappé qui va prendre ce coup de coin à son compte. Et bien donné, parfait même pour Keane. Enfin, une action concrète côté parisien avec l'efficacité donc au bout du compte. Ça fait donc 0-1 pour le Paris Saint-Germain après 63 minutes de jeu. Bah oui, c'est au départ finalement d'un ballon arrêté qu'on est parvenu à aller ouvrir le score. Keane, idéalement servi par Mbappé, ça lui fera un petit assist de plus à l'international français. Attention. Danger qui arrive là du côté gauche, c'est Visca, tout à fait de l'autre côté, la remise. Oula, Crivelli a deux doigts de pouvoir dévier vers le but. Le revoici, l'attaquant français, on traîne là, au niveau de pour écarter le danger. Et encore un ballon cadré, repoussé par Navas. C'est Tuluk qui a tenté cela. Maintenant, le centre, encore l'ancien gardien du Real. Du point cette fois, peut-être une contre-attaque avec la jolie petite roulette là de Di Maria pour Mbappé. Grand pont. Superbe sur Raphaël. Keane, Mbappé resservi à son tour, ça va être but ça. Di Maria, Mbappé, on se fait des cadeaux là, on se fait des cadeaux. On veut absolument faire marquer Mbappé. Pourquoi Di Maria ne conclut pas lui-même cette action? Rafinha, Marquinhos, Mbappé, accélération
suit le mouvement avec Sarabia pour le centre, qui cherche à retrouver Mbappé. Et Keane qui va en mettre un deuxième. Et ben voilà, doublé pour Moïse Keane, comme ce week-end. Ça lui fait 4 buts en 2 matchs consécutifs là. 78e minute de jeu, match sans doute terminé. 0-2, sans trop forcer hein, pour le Paris Saint-Germain et Keane. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.